Bon, on commence premièrement, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au numéro 13 dans le livre de Kashf al-Shubuhat avec l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, et on continue à la place où on était arrivé la dernière fois. Le Cheikh il dit ويقال أيضا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي ابن أبي طالب يكفر radiyallahu anhu. Donc le chef il explique ici en réponse à la shubha des mushrikins qui adorent les awliya et les tombes, il répond à cette shubha ceux qui ont dit par exemple bon les mushrikins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils rejetaient l'islam, ils croyaient pas en le Coran, ils ne croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croyaient pas à la résurrection, yom al-qiyama et tout ça. Et nous, par contre, on dit la ilaha illallah, on fait la salat, on fait la zakat, hein, on fait yani, les obligations de l'islam, on dit que le Coran c'est la vérité, on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, c'est un messager d'Allah. Donc comment tu peux nous comparer aux mushrikin du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, la dernière fois, il a répondu en expliquant certains points et en leur faisant comprendre que c'est pas nécessaire pour que quelqu'un soit mushrik et pour qu'il ait quitté l'islam, qu'il refuse de, par exemple, croire en tous les aspects de l'islam. S'il fait un acte de shirk, même s'il continue à dire la ilaha illallah, même s'il fait la prière, même s'il fait le jeûne, cet acte-là qu'il fait est disons, annule la validité de son shahada. Hein? Même s'il prétend qu'il dit la ilaha illallah, même s'il fait la salat, même s'il fait le hajj. Et il donnait des exemples aussi que si quelqu'un nie quelque chose qui est commis dans la religion par nécessité, comme par exemple, quelqu'un dit non, le zina c'est halal, on a le droit de le faire, hein? Ça c'est kufr. Même s'il ne fait pas le zina, il déclare que c'est halal, ça devient kufr. Il ne faut pas poser les questions tout de suite. Non, non, s'il est ignorant, il n'est pas kafir, il faut qu'on lui apprenne. Mais encore là, il y a des exemples qu'il faut voir la situation de la personne. Si la personne vit dans un endroit où il y a des ulama, et le ilm est disponible et tout, puis il y a les cours sur l'islam dans la société, la connaissance est répandue partout. Il y a des librairies et des livres, et dans les mosquées, il y a des explications. Il n'a pas vraiment une excuse pour être ignorant de ces choses-là. Quelqu'un qui vit dans un pays musulman,
Exact, mais c'est pas pareil. Il y a des endroits où le ilm est plus répandu qu'ailleurs. Bon, j'ai déjà rencontré un musulman qui savait pas que le zina c'était haram. Hein? J'ai déjà rencontré un musulman qui savait pas que le zina c'était haram. Il m'a dit qu'il vivait avec une femme qui n'était pas mariée avec elle. Et là, je lui ai dit, mon frère, ça c'est haram. Il m'a dit, moi, je croyais que le zina, c'était quand t'es marié, puis que tu trompes ta femme avec une autre femme. Il pensait que c'était ça seulement qui était haram. Et là, je lui ai expliqué que non, le zina, c'est pas juste ça, c'est aussi quand tu vis avec une femme, ou tu as des rapports sexuels avec une femme, et que c'est pas ta femme. Ça, c'est le zina aussi. Donc, il y a des cas peut-être, oui, quelqu'un vraiment ignorant, il connaît rien, il y a des cas comme ça, mais quelqu'un qui est ignorant, il ne va pas discuter après avec toi. Quand tu lui expliques, il accepte en général. Toutefois, quelqu'un, quand il dispute avec toi et il essaie d'argumenter, et il essaie de déformer les hadiths ou les ayats, là tu vois que c'est pas juste une simple ignorance, mais il y a peut-être autre chose à relier à ça. Ben, s'il nie ça, c'est soit parce qu'il est... C'est soit, il y a deux possibilités. Soit qu'il est ignorant, ou bien soit qu'il sait, mais qu'il joue, yani. Mais s'il nie avec connaissance, il n'y a pas de doute que ça c'est kufr. Même s'il ne boit pas d'alcool, comme on avait expliqué la dernière fois. Hein, parce que quand il nie ça, c'est comme s'il nie la parole d'Allah. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه نعم فاجتنبوه ثبت داكور اي نعم نعم mais c'est ça c'est parce que ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire الرجس pas toujours. C'est comme Allah dit dans le Coran, voilà ta karab zina. Peut-être que quelqu'un va dire, ah ben, ça veut pas dire haram. C'est pas nécessaire pour que quelque chose soit haram que Allah dit cette chose est haram avec le mot tel quel haram. Ça peut être un autre terme que Allah utilise. Ça peut être un verbe impératif d'interdiction, n'importe quoi. Si Allah dit ne fais pas quelque chose, ou n'approchez pas quelque chose, ou écartez-vous de quelque chose. Ça c'est une interdiction. La même chose pour aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il interdit quelque chose, c'est interdit aussi. Il y en a qui pensent que si c'est pas dans le Coran, si c'est pas interdit par le Coran, c'est halal. C'est seulement ce qui est, si c'est interdit par la sunna, c'est pas halal. Si c'est interdit dans le Coran, c'est haram. Oui, c'est ça. Donc ils croient que c'est juste le Coran qui peut rendre quelque chose haram et non pas la sunna. C'est des erreurs ou des formes d'ignorance comme ça qui mélangent les gens, yani. C'est vrai, subhanallah. Exact. Donc, comme le frère dit, malgré tous les moyens qu'on possède à l'heure actuelle pour répandre le ilm dans la société et partout dans le monde, eh bien, c'est incroyable des fois parfois de constater qu'il y a toutes sortes d'ignorances incroyables qui se répandent, qui en particulier sur l'ignorance de la religion. En particulier l'ignorance de la religion. Parce que les gens prennent ça comme quelque chose de secondaire. Tu vois? Si c'est de la connaissance, par exemple, en génie, en informatique, en médecine, ou toute autre science, les gens donnent une importance. Ils se concentrent, ils essaient de maîtriser, de comprendre les choses pour le faire à la perfection. Et quand c'est la connaissance de la religion, les gens prennent ça à la légère. Ils prennent ça comme une chose comme, yani, c'est pas si important d'être détaillé ou de comprendre les choses trop en profondeur. Il faut juste aller avoir une connaissance générale ou bien superficielle des choses, puis ça y est, c'est suffisant. Et ça, c'est dangereux en réalité. Et beaucoup de gens sont tombés dans des déviations dans l'islam à cause de cette ignorance-là qu'ils ont de la religion, tu vois. Mais en particulier, les musulmans qui n'ont pas étudié l'arabe ou bien qui n'ont pas étudié les détails de comme il faut de la religion, des bonnes bases avec le bon manhaj aussi, ça peut affecter aussi la question.
Donc, comme on disait la dernière fois, on avait expliqué ces aspects-là pour répondre à cette shubha. Maintenant, le cheikh, il donne d'autres exemples pour réfuter cette shubha de ceux qui veulent faire une distinction entre les mushrikines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mushrikines d'aujourd'hui parmi ceux qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans et qui adorent les awliya et les amwat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, il dit, par exemple, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a fait brûler vivant des gens qui ont prétendu être musulmans. C'est des gens, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, qui ont déclaré que Ali était divin, qu'il était Dieu. Alors, c'est des gens qui ont dit la ilaha illallah, c'est des gens qui ont cru en l'islam. C'est des gens qui ont étudié ou qui ont appris des choses de l'islam directement des Sahaba. Toutefois, ils ont eu cette croyance au sujet de Ali ibn Abi Talib, comme certains autres ont eu au sujet de, ils mentionnent deux personnes ici, Yusuf et Shamsan, ces deux parmi les soi-disant des personnes qui étaient considérées comme des awliya, comme des saints à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab dans la région, et que des gens allaient à leur tombe pour leur demander d'exaucer leur doa ou de leur demander des faveurs. Alors il dit, la même chose que des gens croient au sujet de Yusuf et Shamsan ou d'autres en dehors d'eux, comme que ce soit Al-Badawi ou Ahmed Tijan ou bien Abdul Qadir al-Jilani ou n'importe quel autre parmi les awliya que les soufis prennent comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ben ils ont fait la même chose avec Ali ibn Abi Talib à son époque. Et qu'est-ce que Ali a fait? Il a ordonné qu'on creuse des fosses et il a mis du bois dedans, puis il les a allumés, puis il les a fait jeter dedans. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous pensez que les sahaba déclarent les musulmans kuffar comme ça, sans preuve, sans raison, hein? C'est-à-dire eux ils accusent, ils disent à Muhammad Abdul Wahhab ainsi que ceux qui suivent cette da'wa salafiyya, vous déclarez les musulmans comme étant des koufars. Ils disent, vous, antum tukaffirun al-muslimin. Ils disent, vous déclarez les musulmans de mécréants. Non, et nous, comme le cheikh dit, non, en réalité, les sahaba, ils ne déclaraient pas les musulmans d'être des mécréants. Parce que ceux qui croient que Ali c'est Dieu, c'est pas des musulmans. Ils déclarent les mécréants d'être des mécréants. Il déclare les mouchriquins d'être des mouchriquins. Il déclare pas les musulmans d'être des mécréants. D'accord? Ça, c'est la choubha qu'ils utilisent. Dire, vous déclarez les musulmans comme étant des mécréants. Non. On déclare les mécréants comme étant des mécréants. Khalas. Après, le chef, il dit, est-ce que vous pensez que de croire en Taj et d'autres parmi les personnes qui sont adorées par ces gens-là, ça peut pas nuire dans ta foi et dans ta croyance, tandis que de croire en Ali ibn Abi Talib, ça te rend kafir. Comment vous faites cette distinction-là d'une personne à une autre, hein? Et là, le cheikh Zayd, il explique maintenant ce passage. Il dit, واستدل أيضا على بطلان هذه الشبهة بفعل علي رضي الله عنه مع الشيعة الروافض الذين غلوا في شأنه وفي حقه وألهوه. وهذه الطائفة من الروافض تسمى المؤلهة في عهد علي رضي الله عنه، بالغوا في محبته حتى ادعوا بأنه إله، فاتخذته الغيرة الإيمانية، فحفر لهم أخاديد أي حفرا، وجعل فيها حزم الحطب، وأوقد فيها النيران، فقذفهم فيها لأنهم أتوا بأعظم جريمة على وجه الأرض، وهي الشرك بالله وتأليه غير الله تبارك وتعالى. فقال من بقي منهم ما ازددنا إلا إيمانا بك وبأنك إله، لأنك أحرقت بالنار والنار لا يحرق بها إلا الله عز وجل. وهؤلاء امتلأت قلوبهم فتنة لأنهم ابتعدوا عن توحيد الله، وهم مع هذا كانوا يتعلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ويدخلون ويخرجون معهم إلا أنهم وصلوا إلى هذا الاعتقاد السيء الذي هو تأليه البشر. والله عز وجل كما وصف نفسه بقوله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإذا اعتقد مشرك زماننا أن تعلقهم بمن يسمونهم بالأولياء ليرفعوا حاجتهم إلى الله ويشفع لهم ويتوسط لهم عند الله، إذا اعتقدوا أنه لا يضر فهم جهال بعقيدة التوحيد ودروب الشرك، وما صنعوا هؤلاء إلا كما صنع أولئك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. Donc dans ce passage là le cheikh Zayd il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a utilisé des preuves pour répondre à la choubha des mouchriquins de notre époque en donnant l'exemple de Ali ibn Abi Talib et qu'est-ce qu'il a fait avec les chi'a al-Rawafid à son époque. Ces gens-là avaient exagéré au sujet de Ali ibn Abi Talib au point de faire de lui un dieu. Ils l'ont élevé à une position de divinité comme les chrétiens font avec Jésus, Isa ibn Maryam. Un peu la même chose, yani. Donc, le cheikh il dit que ce groupe-là, parmi les Rawafid, on les appelle Al-Mu'alliha, c'est-à-dire ceux qui ont divinisé Ali ibn Abi Talib. Et ils ont tellement exagéré dans leur amour pour Ali qu'ils ont prétendu qu'il était divin. Alors Ali ibn Abi Talib, par sa jalousie et son sens de l'honneur pour la défense de la foi et de l'islam, il n'a pas aimé cette attitude-là de ces gens-là, bien entendu, et il a ordonné qu'on creuse des fosses pour mettre du bois dedans, et il a mis le feu, et il les a comme jetés dans cette fosse pour les punir. Parce qu'ils avaient fait un grand crime, et c'est en fait le plus grand crime qui peut être commis sur la terre, c'est-à-dire le shirk billah, et de rendre quelqu'un divin. Alors, qu'est-ce que le cheikh il dit que ceux qui sont restés vivants parmi eux, parmi les Rawafid qui ont divinisé, qui ont déifié plutôt Ali ibn Abi Talib, eh ben ils ont dit on a augmenté dans notre foi en toi parce que tu as puni avec le feu, tu as brûlé déjà avec le feu et personne ne brûle ou personne ne punit par le feu excepté Allah Azza wa Jal. Donc c'est comme pour dire que le fait qu'on a vu que tu as brûlé ces gens-là par le feu, ça nous a augmenté en conviction et en foi que c'est toi le vrai Dieu parce que tu as puni les gens par le feu. Hein? Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son livre. Donc le cheikh il dit wa ha'ula imtala'at qulubuhum fitnatan. Donc leur cœur s'est rempli disons de fitna. Ils se sont éloignés du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que ces gens-là étudiaient l'islam avec les sahaba, hein, et ils sortaient avec les sahaba partout où ils allaient, et malgré tout ils sont entrés dans cette mauvaise croyance du fait de déifier un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit lui-même dans le Coran, c'est le verset 163 dans Surah Al-Baqarah qui dit « Et votre Dieu est un Dieu unique, c'est-à-dire « Ilahukum ilahun wahid » rien ne mérite d'être adoré excepté lui, « Ar-Rahman Ar-Rahim » le tout miséricordieux et le très miséricordieux. « Wa qawluhu azza wa jal » il mentionne un autre verset également, le verset 117 dans Surah Al-Mu'minun qui dit « Et quiconque évoque une autre divinité à part Allah ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet duquel il n'a aucune preuve, alors il aura son jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas le succès aux kafirun, c'est-à-dire aux mécréants. Donc le cheikh il dit que si les mouchriquins de notre époque croient et s'accrochent dans leur croyance à ceux qu'ils appellent les awliya pour que ces
awliya élèvent leurs besoins ou demandent à Allah pour eux et intercèdent en leur faveur et disons prennent des ils les prennent comme des intermédiaires pour arriver à Allah, s'ils croient que de faire ça, ça ne nuit pas à leur croyance et à leur foi, ça veut dire que ce sont des ignorants, juhal, ce sont des ignorants qui ils ne connaissent pas la aqida du tawhid et ils ne connaissent pas toutes les différentes formes et les différentes catégories de shirk. Et donc, ce que ces gens-là ont fait, c'est la même chose que les mushrikines faisaient ou que les gens faisaient à l'époque d'Ali, parmi ceux qui ont déifié Ali ou ceux qui adoraient les idoles à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui disaient, pour justifier ce qu'ils faisaient, ils disaient « ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa » c'est-à-dire on les adore juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, oui. Même Ibn Abbas, quand Ali Ibn Abi Talib radiallahu anhu a fait ça, certains parmi d'autres sahaba qui étaient là, ils ont, disons, ils se sont objectés à ce genre de punition-là, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tu'azibu bi'adabillah » il y a un hadith dans ce sens-là, donc ils ont critiqué Ali d'avoir fait ça en fait. Et les mushrikines, justement, ces gens-là ont pris ça comme un prétexte pour, disons, justifier leur fausse aqida en disant ça à Ali de cette façon-là, d'accord. Non, c'est des gens à l'époque des sahaba, ça veut pas dire nécessairement que c'était des gens qui étaient, quand on dit qu'ils ont appris des sahaba, peut-être qu'ils ont juste comme disant qu'ils n'avaient pas d'autres personnes de qui apprendre, parce qu'à leur époque, les ulama c'était des sahaba. Toutefois, c'est des gens qui avaient été trompés, ils ont dévié dans leur aqida, parce que c'était avec Abdullah ibn Sabah, avec le juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Sabah, qui avait répandu ses idées à propos de Ali, hein, et des choses comme ça. Et peut-être c'était des gens qui apprenaient avec les sahaba, qui, exactement, un juif qui se faisait passer pour un musulman. Mais des fois c'était des gens qui étaient nouveaux dans l'islam, peut-être qu'ils viennent de se convertir, des choses comme ça, ils ne connaissent pas beaucoup, ou bien ils ont laissé, disons, ils ont eu ces choubouhats, et puis ils ont cru en ça, ils se sont laissés dévier. Allahu a'lam, peut-être qu'il y a ça. Aussi, il y a l'exemple de Isa, alayhi salam, c'est la même chose, parce que, disons, il y en a beaucoup d'entre les gens qui ont été trompés à propos de Isa, qui l'ont pris comme un dieu, yani. Allah il dit ça dans le Coran, « Min al-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah » Donc, c'est ça, quand quelqu'un exagère dans son amour, alaykoum salam, quand quelqu'un exagère dans son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, c'est ça ce qui arrive. Il dépasse la limite, et puis après, il s'égare, il commence à voir la personne qu'il aime comme étant une divinité. كما أطرت النصارى ابن مريم وعليكم السلام ورحمة الله إنما أنا عبد exactement بارك الله فيك c'est vrai faut pas exagérer dans l'amour des hommes puis c'est ça qui a ouvert la porte au shirk yani depuis le début l'exagération au sujet des hommes pieux yani non Ibn Abbas avait critiqué le fait que Ali avait brûlé ces gens-là avait fait brûler ces gens-là oui. Donc الشيخ يقول ensuite إذن فالتوحيد أساس الأعمال وأصل الدين وهو أن يوحد العبد ربه بأن يفرده بكل عبادة بدنية أو مالية وأن يتبرى من الشرك وأهله وأن يكون قابلا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وإن وقع في المعاصي دون الشرك فهو تحت المشيئة الإلهية ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بفعل المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك إلا من استحلها اعتقاديا وقال إنها حلال فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. Donc le cheikh ici il explique que le tawhid c'est la base de toutes nos actions.
et que c'est le fondement de cette religion-là. Et ça signifie quoi? Ça signifie que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu fais, que ce soit des adorations de physiques que tu fais, corporelles, ou bien des adorations économiques, quand tu donnes la zakat, ou quand tu fais un sacrifice ou autre chose. Et ça implique également que tu te désavoues du shirk, hein, tu rejettes tout ce qui a rapport avec le shirk billah, et que tu rejettes et que tu te désavoues des gens qui pratiquent le shirk également. Et que tu, disons, te tournes et que tu acceptes tout ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna. Et que si quelqu'un tombe dans les péchés, autre que le shirk, il est sous la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ne déclarent pas quelqu'un qui fait un péché comme étant un kafir. Si quelqu'un commet un péché, même si ça fait partie des kaba'ir, on ne dit pas qu'il est kafir. Même s'il fait le zina, ou qu'il vole, ou qu'il boit de l'alcool, ou qu'il commet le péché de prendre des intérêts, ou des trucs comme ça, il ne devient pas kafir tant qu'il n'a pas déclaré cette chose-là halal. S'il la déclare halal, il a démenti le Coran. Il a démenti le Coran. Il a dit le contraire de ce que le Coran a dit. Et donc il devient kafir pour avoir démenti le Coran. D'accord? Et non pas parce qu'il a commis le péché. Donc ça c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a par opposition au Khawarij et au Mu'tazila, eux qui déclarent celui qui commet des grands péchés comme étant kafir. Et ça c'est deux groupes parmi les sectes de Bid'a qui ont dévié. Ça, le takfir, ça appartient à un lama. Ouais. Sauf que c'est nécessaire à chaque musulman de savoir ce qui est kufr et ce qui n'est pas kufr. Parce que sinon, tu risques de tomber dans le kufr sans même que tu t'en aperçoives. Donc, c'est important que chaque musulman sache que de rendre quelque chose halal, c'est kufr. Alors, lorsque tu le sais, tu vas éviter de le faire. Mais si tu le sais pas, il y a beaucoup de musulmans qui, comme on disait au début, ils déclarent des choses halal et ils savent pas que c'est kufr. Ils voient quelque chose haram, ils le déclarent halal. Ils savent pas que c'est kufr de faire ça parce qu'ils démentent le Coran. Parce que, bon, il faut faire la différence premièrement entre les ulama font la distinction entre takfir al-am et takfir al-mu'ayyan. Par exemple, si je dis toute personne qui déclare l'alcool ou le zina halal, il est kafir. Ça, c'est une explication ou un verdict, disons, général, global. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, si je veux spécifier une personne en particulier, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des conditions, il y a des règles à connaître et à respecter avant de pouvoir dire que quelqu'un est kafir. Et ça retourne au... Et il faut s'abstenir de le faire, de faire le takfir. Ça c'est pour les ulama de l'islam et pour les juges qui sont dans les pays musulmans, qui jugent selon le Coran et la Sunna dans les pays où on applique la charia. Parce que de toute façon, les verdicts qui parce que quand on dit que quelqu'un est kafir, il y a plein de règles qui entrent en application par rapport à cette personne. Et pour appliquer ces règles, c'est très sévère, c'est très sérieux, c'est pas des blagues. L'apostat dans l'islam, c'est pas quelque chose de facile, hein. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut dire quelqu'un kafir. Et c'est pas comme, disons, ouvert à tout le monde. Parce que si c'est le cas, tout le monde se donne la liberté de déclarer qui il veut kafir. Et puis après, ça crée plein de désordres dans la société. Parce que quelqu'un déclare l'autre kafir, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et là après, les gens commencent à faire la fitna avec des histoires comme ça. C'est dangereux. Donc, comme on dit, la personne qui a quitté l'islam, il y a des règles qui s'appliquent à sa situation.
on ne peut pas prier sur lui, il n'est pas enterré dans les pays musulmans, s'il est marié, on doit le séparer de sa femme. Donc il y a beaucoup de règles là qui s'appliquent. Si on prend ça comme ça à la légère, c'est très grave les répercussions de ça. Donc, en tout cas, c'est juste pour dire que, comme les ulama ont expliqué, que ça c'est pour les ulama, déclarer quelqu'un kafir, c'est pour les ulama. Toutefois, si on apprend qu'est-ce qui est kufr, ou quand on apprend la waqi de l'islam, les choses qui annulent l'islam, c'est en premier pour nous-mêmes, pour le savoir, pour pas tomber dans quelque chose qui est kufr. Puis si on le sait pas, c'est dangereux pour nous, donc pour se protéger nous-mêmes en premier. Après les autres, c'est autre chose. D'accord, donc le chef ici, maintenant on entre dans un autre chapitre. En fait, c'est la continuation, mais il a séparé à partir d'ici, donc c'est comme s'il fait une autre introduction. Il dit « فَمِنْ جُمْلَةِ الرُّدُودِ التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على القائلين بأن بيننا وبين الكفار الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فرقا كبيرا، لأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا بالقرآن وكذبوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا بأنه ساحر كاهن شاعر مجنون ومجنون إلى غير ذلك من الأقاويل التي افتروها افتراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن. قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالرسول ونصدقه، فلماذا هذه التسوية بيننا وبين أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر والشرك؟ فكان جواب الشيخ رحمه الله موضحا بالأمثلة من أجل البيان أنه لا فرق بين أولئك الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث ويصدق بالقرآن في زعمه وبالرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته في زعمه، ولكنه يجعل بينه وبين الله وسائط، وهذا هو الخطر. Donc le cheikh il dit que parmi les réfutations que le cheikh Mohammed Wahhab a donné à ceux qui disent que les kuffars qui ont fait le kuffar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu, il y a entre eux et nous, c'est-à-dire quand on dit entre nous, alaykoum salam, eux, c'est-à-dire les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous, en voulant dire ceux qui adorent les awliya aujourd'hui, qui vont à leur tombe et qui demandent et qui les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, il dit il y a entre eux et nous une différence. Parce que, ils disent que parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars, ils disaient que le Coran n'était pas vrai et que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un vrai messager, et il disait qu'il était un magicien, un menteur, un poète, un fou, ou d'autres termes qu'ils utilisaient de cette façon. Et ils ont inventé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre le Coran beaucoup de mensonges. Et donc les mouchriquins d'aujourd'hui, ceux qui adorent les awliya ou qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah, ils disent nous on témoigne de la ilaha illallah. On croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, on fait la salat, on fait le jeûne, on croit au Coran et on croit à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc pourquoi vous faites vous nous égalisez, vous nous mettez au même niveau que ces gens-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a combattu à cause qu'ils étaient des mouchriquins. Donc en voulant dire pourquoi vous nous mettez au même niveau alors que nous on reconnaît toutes ces choses-là et eux ne les reconnaissaient pas. Donc le cheikh Mohammed Wahhab, il a répondu à ça par plein d'exemples qu'on a déjà expliqués. Puis là le cheikh il fait comme une sorte de résumé de ce qui s'est dit auparavant. Il dit que
il n'y a pas de différence entre ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et entre vous qui prétendez croire au messager et à la résurrection et au Coran et à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors que vous prenez entre vous et Allah des intermédiaires. Voilà le danger. Après il dit « إذن من جعل بينه وبين الله وسائط يستشفع بهم في جلب المصالح ودفع المضار ويعتقد فيهم أنهم يغيثون من ناداهم ويجيبون من استغاث بهم ويرفعون طلبات من له حاجة إلى ربه من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه وإن صلى وإن صام وإن آمن بالقرآن في حد زعمه ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لن ينفعه وليس بينه وبين أولئك الصرحاء في الكفر فرق لأن قضية الشرك وأنواعه وصوره متعددة فمن اتخذ وسائط من العباد بينه وبين الله في جلب خير ودفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر لا فرق بين فعله وفعل الكفار الذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله وشفعاء في جلب المصلحة ودفع الضر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc voilà une autre partie qu'on vient de lire qui explique le point, qui dit que celui qui a pris entre lui-même et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et qu'il cherche leur intercession, hein, il les prend comme des intercesseurs pour essayer de ramener un bien, de faire venir un bien ou de faire s'éloigner un mal d'eux, et qui croit que ces êtres-là peuvent répondre lorsqu'on les invoque et lorsqu'on les appelle au secours, et qu'ils peuvent répondre et exaucer ceux qui demandent l'aide, leur aide, et qui croient que qu'ils peuvent amener nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a un besoin. Celui qui croit ça, il n'a pas de différence entre lui et le mushrik de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il croit au Coran, s'il prétend croire au Coran, et même s'il dit que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique, tout ça, ça ne lui servira à rien, parce que, en réalité, il a, disons, opposé sa foi en prenant entre lui-même et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, comme on a dit. Donc, il n'y a pas de différence entre le kufr des kuffars qui étaient déclarés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient ouvertement et directement, on ne croit pas en l'islam, on ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient ouvertement des kuffars. Et tandis que ceux d'aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, qui font la salat, qui font la zakat et tout, et puis après ils se tournent quand ils ont des malins, ils demandent à des êtres qui sont enterrés dans la terre, ou des gens qui sont vivants, de leur exaucer, ou de répondre à leurs prières, ou des choses de ce genre. D'accord? Donc le cheikh dit, فَمَنْ اتَّخَذَ وَصَائِطَ مِنَ الْعِبَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Celui qui prend des intermédiaires parmi les êtres humains, entre lui et Allah, pour ramener un bien ou pour éloigner un mal, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, alors il est mushrik et kafir. C'est-à-dire quand on dit dans ce que seul Allah est capable de faire, c'est-à-dire dans des choses qui ont rapport avec des choses que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme si tu demandes à quelqu'un, comme par exemple si je demande à Haykal, je dis, est-ce que tu peux par exemple aller au magasin pour moi acheter quelque chose. Ça c'est possible parce qu'il est vivant, il est à côté de moi. Mais si maintenant je demande à quelqu'un qui est mort et enterré, par exemple je dis à ma femme, elle est stérile, elle va avoir, aide-moi à avoir un enfant. Un être ne peut pas faire ça, même un être vivant peut-être ne peut pas faire ça. Peut-être à moins que ce soit un médecin
qui soit spécialiste puis qui connaît des nouvelles méthodes, mais encore là, Allah seul connaît yani, les mystères de ces choses-là, comment les guérir. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ou bien quelqu'un qui va dire, hein, par exemple, je veux rentrer au paradis, et il demande à autre que Allah de le faire rentrer au paradis. Ça c'est shirk. Si tu demandes à un wali ou à un sayyid ou à quelqu'un, fais-moi rentrer au paradis, ça c'est shirk. Tu n'as pas le droit de demander ça à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un exemple. Donc, il y a cet exemple-là, puis c'est pour ça que le chef il dit qu'il n'y a pas de différence donc entre celui qui prie, qui jeûne, qui dit « La ilaha illallah », qui croit au Coran, qui croit au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui croit à toutes ces choses-là, puis qui fait ça par la suite, et les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il les a, disons, il a combattu ces gens-là pour leur kufr, et eux aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah, mais ils font le contraire de ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Enfin, le cheikh dit wa hadhihi shubha ajaba alayha al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ma'a adillat al-kitab was-sunnah wa daraba amthilatan waqi'iyatan qatala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qawman wal-Qur'an kaffara qawman بكلمات الكفر التي أرسلوها شرحا بها والعلماء أجمعوا على تكفير من أباح اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله يستشفع بهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله كفروهم واعتبروهم حلال المال والدم والعرض وهذه الشبهة تتكرر في هذا الزمان من أفواه من يدعون العلم ويدعون محبة الصالحين وهم أهل الشبه والتضليل للناس من أجل المصالح المادية ومن أجل نشر العقائد الفاسدة. Donc le cheikh il dit que cette shubha, l'imam Muhammad ibn Wahhab a répondu à ce genre de shubha avec les preuves du Coran et de la Sunna et il a donné beaucoup d'exemples pour la réfuter également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque a combattu des gens qui qatala qawman wal Qur'an kaffara qawman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu certaines personnes et le Qur'an a déclaré certaines personnes kuffar à cause d'une parole qu'ils ont dit, à cause d'une parole qu'ils ont dit avec leur bouche. Alors, le Qur'an les a déclarés kuffar à cause de ça. Et les ulama se sont mis tous d'accord hein, que celui qui croit que c'est permis de prendre entre lui et Allah des intermédiaires et qui les prend comme des intercesseurs et qui cherche leur secours, que ce sont des kuffars. Hein, s'ils prennent ces choses-là entre intermédiaires, comme des intermédiaires entre eux et Allah. Ils les ont déclarés kuffars et ils les ont considérés comme étant yani, halal al-dam wal-mal wal-ird, c'est-à-dire leur sang, leur bien et leur honneur et halal. Après il dit ça c'est une choubha qui se répète à toutes les époques de la part de certains gens qui prétendent avoir de la connaissance et qui prétendent également avoir du ilm et aimer les salihins, prétendent aimer les hommes pieux et ils font partie en réalité des gens qui ont des choubhat et des formes d'égarement pour les autres et ils font ça uniquement pour des intérêts économiques ou matériels dans cette vie et dans le but de répandre des fausses croyances. Après le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il va donner d'autres exemples pour supporter son argument et pour montrer son point. Cheikh dit wa yuqalu aidan banu Ubayd al-Qaddah alladhina malaku al-Maghrib wa Misr fi zaman bani al-Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Donc le cheikh il parle maintenant, il donne un autre exemple de gens qui ont fait le kufr ou le shirk, hein, qui ont été déclarés kuffar ou mushrikin, alors qu'ils avaient fait
moins que ce que ces gens-là font aujourd'hui en prenant des intermédiaires entre eux et Allah. Donc c'est pour donner un autre exemple, il parle de la dynastie de Al-Ubaydiyya, parmi les gens qui ont été au pouvoir dans le nord de l'Afrique et en Égypte, à l'époque de Dawla Al-Abbasiyya. C'est Al-Ubaydiyyun, on les appelle Al-Ubaydiyyun, ok, et ce sont tous des gens qui disaient « La ilaha illallah » et « Muhammad Rasulullah » et ils prétendaient être musulmans, ils priaient le Jumu'ah et les prières en groupe, mais ils ont exprimé par la suite des contradictions à la charia dans plusieurs aspects et dans plusieurs choses, et les ulama se sont tous mis d'accord pour dire que ce sont des koufars et pour les combattre, et ils ont déclaré leur pays comme étant des pays de harb, bilad harb, et ils les ont combattus, hein, jusqu'à ce qu'ils réussissent à reprendre ces pays-là d'entre leurs mains. Comme par exemple les Fatimiyoun et les Ubaydiyoun, ça c'était des Batiniyoun, des gens qui font partie des sectes Batiniyah, des sectes qu'on appelle Batiniyah, c'est-à-dire des ésotériques, comme les Druzes, les Nusayriyah, les Ismaïliyoun, ça c'est des sectes qui sont vraiment à l'extrême de la déviation parmi les sectes des Shia, ok. Et Al-Ubaydiyyun, c'est des gens ils se déclarent comme étant des Shia, mais en réalité, sont pires encore que des Shia, et ce sont soit des Qaramita ou des Ismaïliyoun, comme on l'a dit. C'est des gens qui ne croient pas au Coran, qui ne croient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne croient pas en l'islam du tout. Hein? Mais ils prétendent l'être. Donc ils ont été mis hors du pouvoir par Salah ad-Din Ayyubi. Il les a combattus avant de combattre les chrétiens, avant de chasser les chrétiens de la Palestine. Il a chassé ceux-là avant, parce qu'ils sont une plus grande menace pour les musulmans que les koufars clairs, comme les chrétiens et les juifs. Donc le cheikh il dit « wa hadha haqq », le cheikh Zayd il explique maintenant ce passage, il dit « wa hadha haqq fa inna bani Ubayd al-Qaddah هؤلاء ظهروا في خلافة بني العباس في المغرب واهتموا ببناء الأضرحة في المساجد ورفع القبور والغلو في الأولياء واعتبروا ذلك قربانا إلى الله عز وجل وألزموا به من تحت سلطانهم وجازاهم الله بما يستحقون والعصور على اختلاف أزمانهم لا تخلو من العلماء ولا تخلو من الحفاظ ولا تخلو ممن يتصدى لرد الشبهات التي تفسد عقول الناس وقلوبهم فاتفق العلماء في عصرهم بأن ما فعله هؤلاء الذين امتد ظلمهم مدة لا تقل عن 200 سنة وهم يضللون الناس بالوثنية ويتسببون في إخراجهم من عقيدة الإسلام إلى عبادة الأوثان أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وهم يصلون جمعة وجماعة ويصومون ويشهدون الشهادتين ولكنهم خالفوا شريعة الله ابتداء من الأصل الأصيل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة واتجهوا بعبادتهم إلى الأضرحة وما يسمونهم بالأولياء ونحو ذلك. Donc le cheikh il commente le passage qu'on a lu plus tôt, qui dit que effectivement les gens de Bani Ubayd al-Qaddah, c'est des gens qui sont apparus durant le khilafa de l'Abbasiyya au nord de l'Afrique, dans le Maghreb, et ils se sont concentrés sur le fait de bâtir des tombes dans les mosquées. Des cimetières, pas des cimetières, mais des petits sanctuaires ou des mausolées ou dans les mosquées, et de construire des bâtiments sur les tombes, des dômes, toutes sortes de trucs comme ça,
et d'exagérer au sujet des awliya, au sujet des hommes pieux. Et ils ont considéré que ça c'était un rapprochement pour Allah. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu te rapproches à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont obligé et contraint tout le monde, ceux qui étaient sous leur pouvoir, ils les ont tous contraints de faire ce qu'ils, d'accepter ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a donc punis par ce qu'ils méritaient. Et à chaque époque, il y a toujours bien entendu des ulama, il y a toujours à toutes les époques des ulama et des hommes qui protègent cette religion. Et donc, les ulama ont réfuté leur shubuhat à cette époque-là, et ils ont répondu à leur fausseté, parce que ces gens-là étaient en train de corrompre les esprits des gens de l'époque et leur cœur. Et donc les ulama se sont mis d'accord pour dire que ce que ces gens-là faisaient, eh ben c'était des actes d'idolâtrie. Pendant 200 ans, ils ont rempli la région d'ignorance et d'obscurité, d'égarement, en appelant les gens à rentrer dans cette forme d'idolâtrie. Et ils faisaient en sorte que les gens quittent la croyance islamique, qu'ils rentrent dans toutes sortes de formes d'adoration des idoles. Donc les ulama se sont mis d'accord pour dire que ce sont des kuffars et pour les combattre, malgré que c'était des gens qui priaient et qui faisaient les prières de Jumu'ah et qui faisaient le jeûne, et ils disaient « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Toutefois, ils ont contredit la charia de la base, à partir de son plus grand fondement, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, ils se sont tournés vers l'adoration des tombeaux, qu'ils ont appelés par le nom de Awliya, c'est-à-dire les hommes saints, les hommes pieux, ils les ont pris comme des intermédiaires. Donc, ils commençaient à adorer ça. Et c'est ça qu'ils faisaient. Donc, c'est eux qui ont introduit cette bid'a dans le monde musulman. La bid'a des tombes et tout ça, là, et l'exagération au sujet des hommes pieux, et de construire des dômes sur leurs tombes, ça, c'est commencé avec ces gens-là, avec les Fatimiyouns, et le Mawlid al-Nabawi aussi s'est apparu à leur époque, et là, beaucoup de bid'a sont apparus à leur époque, al-Ubaydiyoun. J'ai dit, « وَالَّذِينَ فِي أَهْدِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَابِ هُمْ أَكْثَرُ شَرًّا مِنْ أُولَئِكَ إن لم يكونوا مثلهم كما قرر الشيخ، لأن في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان فيهم ناس يدعون العلم بل يدعون الإمامة فيه، ولكنهم يقرون الوثنية في أرض الحجاز ويروجونها ويدافعون عنها في شتى أقطار العالم، ويرشحون أنفسهم بأنهم علماء وأنهم أولياء، والناس يأتون إليهم من كل جدب وصوب ويأخذون بتوجيهاتهم في الضلال والفساد، وفي مقدمة ما يفسدون به عقائد المسلمين أنهم يدفعونهم إلى الإشراك بالله عز وجل وإلى تزيين الغلو في الأولياء، والناس يعتقدون فيهم أنهم علماء والعوام تبعا لعلمائهم. Donc le chef il dit que ceux qui sont à l'époque de Muhammad ibn Wahhab et qui défendaient le shirk et l'idolâtrie, ils sont pires encore que ceux dont on parle, des Ubaydiyoun, s'ils ne sont pas égaux à eux, dans leur égarement. Il dit parce que à l'époque de l'imam Muhammad ibn Wahhab, il y avait des gens qui se prétendaient posséder de la science et de connaître la connaissance, de connaître la religion et d'être des imams. Ils se prétendaient d'être des imams dans la religion. Toutefois, ils justifiaient et ils supportaient les formes d'idolâtrie qui existaient dans la région du Hijaz. Hijaz, c'est quelle région ? C'est la région de Mecca ou de Medina, disons la région de l'Arabie Saoudite qui longe la mer Rouge,
cette région-là, on l'appelle Al-Hijaz. Et donc, ces ulama qui étaient à cette région-là, ils justifiaient et ils supportaient le shirk que les gens faisaient à l'époque. Donc, quand il y a des musulmans qui venaient là-bas, eux, ils leur disaient que c'était correct de faire ça et des choses de ce genre, et ils les encourageaient même parfois à le faire. Donc, le chef, il dit que ces gens-là, ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant des ulama, ils se déclaraient eux-mêmes aussi comme étant des awliya. Et les gens venaient de toutes les régions, parce que c'est là où les gens vont faire le hajj, et ils viennent pour donc faire le hajj, et ils viennent visiter Mecca ou Medina. Donc ils rencontrent ces gens-là et ils leur demandent des questions sur la religion et ils prennent leur conseil, et eux, ces gens-là, les poussent vers l'égarement et la corruption. Et à la base de ce qu'ils corrompent, c'est quoi? C'est la croyance des musulmans, l'aqidah. Ils commencent par corrompre leur aqidah en les poussant à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et en leur embellissant l'exagération au sujet des hommes pieux. Et les gens suivent toujours leurs ulama et ils font confiance et ils croient que ce sont des ulama. Alors, étant donné qu'ils croient que ce sont des ulama, ils les suivent. Et ça, c'est ça le malheur et c'est ça le danger. Donc, le cheikh, il continue, il dit « Hatta inna l'imam, al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, بين ضلال أولئك الذين يدعون العلم وفساد ما هم عليه وبعضهم تبين له الحق بأن الشيخ محق في محاربة شرك القبور الذي هو الشرك الأكبر وفي بيان ضلال أولئك الذين يدعون العلم وقد فهم بعضهم بأن الشيخ على حق ولكن وقفوا حائرين بحيث إنهم لو قالوا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب معه الحق لقال لهم الناس ولماذا أنتم من عشرات السنين تدعون الناس إلى الضلال وحينئذ يزهدون فيهم ويخف وزنهم في المجتمع يزهدون فيهم ويخف وزنهم في المجتمع ويقل قدرهم فكابروا وعاندوا ووقفوا في وجه الدعوة دعوة التوحيد التي قام بها الإمام. Donc le cheikh il dit que l'imam Mohammed Abdul Wahhab a continué donc à montrer l'égarement de ces gens-là qui se prétendaient des ulama et de montrer la corruption de ceux qu'ils suivaient. Après il dit, mais certains d'entre eux, d'entre ces ulama-là à cette époque, ils ont réalisé que le cheikh avait raison, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait raison de combattre le shirk qui se faisait dans les tombes. Et il avait raison également dans sa da'wah. Donc, certains d'entre eux ont accepté la da'wah. Certains d'entre ces ulama ont accepté la da'wah et ils ont compris la vérité. Et ils ont vu que le cheikh avait raison de dénoncer l'ignorance et l'égarement de ceux-là qui prétendaient avoir de la science. Et d'autres, par contre, ont compris que la da'wa du cheikh était vraie. Toutefois, ils sont restés confus. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont vu que le cheikh a raison et que sa da'wa est vraie, mais ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, si on dit aux gens qu'il a raison, les gens vont se tourner vers nous, puis ils vont dire, mais alors pourquoi vous, depuis 10 ans, vous appelez les gens à l'égarement? Depuis des dizaines d'années, vous appelez les gens à l'égarement, et là maintenant vous nous dites qu'il a raison. Alors ils ont dit, si on dit aux gens que le cheikh a raison, nous on va perdre notre importance, on va perdre notre prestige et notre importance dans la société, et les gens vont nous dénigrer, on n'aura plus de valeur. Donc, par orgueil, par fierté, ils ont continué à opposer le cheikh, au lieu d'accepter le message, la vérité qu'il avait amené de la da'wah, du Coran et de la Sunna. Donc, ils se sont remplis d'orgueil, et ils se sont opposés, et ils se sont tenus
contre la da'wa du chef, la da'wa du tawhid que l'imam avait établi. Donc parmi eux, le chef dit « فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ وَكُفْرِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ومنهم من استجاب لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وصدقوا بها وانضموا تحت لوائها واتسعت دائرة الدعوة وكثر أتباع أنصارها أعني أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباع الإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا وذلك بعد جهاد بالكلمة وجهاد بالسلاح لأنهم وجدوا مقاومة ووجدوا صدا عن سبيل الله فلجأوا إلى حرب من ناوأ الدعوة إلى التوحيد جنبا إلى جنب العلماء والحكام رحمهم الله جميعا. Donc le chef ici, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que parmi eux, il y en a parmi les, ces ulama-là qui ont accepté la da'wa, et il y en a d'autres parmi eux qui ont qui sont morts dans leur shirk et dans leur kufr, wal'ayadu billah, et donc ceux qui ont cru parmi eux, hein, il y en a qui ont accepté la da'wa, et ils se sont réunis et se sont mis, disons, derrière la bannière du shirk, et donc la da'wa a commencé à prendre de l'ampleur et à se répandre, et il y avait de plus en plus de gens qui la supportaient, cette da'wa au tawhid. Et yani, ceux qui étaient, disons, avec le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme par exemple l'imam Muhammad ibn Saoud, on avait déjà fait la biographie du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Quand on a commencé à l'usul al-Thalatha, on avait expliqué toute sa biographie, toute sa da'wa, comment il avait fait. Donc ceux qui veulent avoir plus de détails sur la vie du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, peuvent écouter le premier cours dans la série de Al-Usul al-Thalatha et puis ils vont trouver l'explication des détails de sa biographie et puis donc ils vont comprendre après le rôle de Muhammad ibn Saoud, c'était un des dirigeants de l'époque qui régnait dans une des régions de l'Arabie et qui a accepté la da'wa et qui a accepté non seulement d'y croire mais en même temps de la défendre et de la supporter par la suite. Donc la da'wa du chef a été supportée par la force également, non seulement par les preuves et les arguments du Coran et de la Sunna, mais en plus de ça avec une force d'une autorité et d'un gouverneur qui la supportait et qui la défendait à son époque. Wallahu a'lam. Je ne connais pas sa position ou sa situation avant, mais quand il a entendu le message du chef, il a dit oui. J'accepte cette da'wa, elle est claire, et puis il a compris le message du chef, et il a dit je suis prêt à supporter toutes les épreuves et les difficultés pour faire en sorte que cette da'wa, disons, parce qu'en fait c'est quoi cette da'wa? C'est l'application de l'islam, et l'application de la charia, et l'application de cette aqida, hein, du tawhid. Donc c'est ça en réalité, celui qui accepte ça, c'est qu'il accepte l'islam tel quel. Exactement. Ouais, c'était à travers sa femme qu'il l'a encouragé. Sa femme l'a encouragé à, disons, inviter le cheikh et, ou bien à, hein, là, sa femme qui l'a. Non, donc, le cheikh Ibn Wakan est il qu'un nahba à l'islamie, أو أقول بعبارة أوضح ذلك العمل المجيد النافع المثمر كان له الأثر الأعظم من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وإلى ما بعد هذا الوقت إن شاء الله ولقد أصبحت ثمراته ظاهرة إذ عمت الجزيرة العربية كلها عقيدة التوحيد إلا من أبى ومن هو الذي يأبى هو الذي يفر ويهرب من التفقه في دين الله تبارك وتعالى ويبقى منطويا على شركه وضلاله فهذا ألحق الضرر بنفسه ولن يضر الله شيئا وهكذا امتدت هذه الدعوة وثمرتها إلى أقطار العالم الإسلامي
من العرب والعجم حملها علماء أجلاء ودعاة مصلحون في كل زمان وفي كل مكان. وفي هذا الزمان والحمد لله من مدة طويلة قيد الله تبارك وتعالى دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى شرق الدنيا وغربها دعاة إلى العقيدة الصحيحة. وأخص من هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة والفهم الصحيح، ولا يدعون الناس إلى جماعات معينة غير جماعة أهل الحديث أو إلى فكر معين، فإن الذين يدعون إلى الالتزام بجماعة محدثة لا يفلحون في دعوتهم، ولكن من جاب الأقطار وفارق الديار ودعا الناس إلى كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم بفهم سلف هذه الأمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكما فعل الخلفاء والذين بعثوا إلى الأقطار معلمين ودعاة ناصحين أثمرت دعوتهم وإن قل أتباعهم Donc le cheikh il dit que voilà cet éveil, ce renouveau réformateur, de réformation. Et pour dire d'une autre façon qui est plus claire, je pense que c'est ça. C'est comme les autres de renouveau, je pense. Allahu a'lam. Ok, khalas. Ok, ذلك العمل, il dit, ce travail qui est produit, qui a été fructif, qui a eu des bons fruits et qui a été bénéfique pour les gens, il a eu un grand impact, une grande influence. Depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, et Inch'Allah même après, et on voit ces fruits, les fruits de cette da'wah encore, même jusqu'aujourd'hui on la voit. Maintenant c'est, comme le cheikh il dit que ça s'est répandu à l'époque partout dans la péninsule arabe. Et tout le monde a accepté le tawhid, excepté très peu parmi eux, parmi eux qui ont refusé de l'accepter cette da'wah. Ce sont des gens qui s'enfuient et qui s'éloignent ou qui refusent d'étudier la religion d'Allah. Des gens qui n'aiment pas l'ilm, qui n'aiment pas l'étude de l'islam. Ils veulent juste rester dans une petite compréhension traditionnelle de la religion sans rentrer dans la religion d'une façon avec plus de profondeur et plus de compréhension et plus de fiqh. Donc, le cheikh il dit, celui qui fait ça, qui reste dans son shirk, dans son égarement, il s'est amené du mal sur lui-même. Il ne nuit pas nullement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la da'wah du cheikh, elle s'est répandue partout dans le monde musulman, parmi les arabes et même les non-arabes également. Des grands ulama et des du'at parmi les réformateurs à tous les endroits et à toutes les époques ont répandu cette da'wah un peu partout dans le monde. Et le cheikh il dit qu'ils partent de l'Arabie Saoudite, des fois il y a des du'at qui partent de l'Arabie Saoudite et qui s'en vont un peu partout dans le monde pour faire la da'wah. Et ils appellent les gens à quoi? Ils appellent les gens au Coran et à la Sunna. Et ils n'appellent pas les gens à suivre une jama'a ou à suivre un groupe ou une organisation. Il y a beaucoup de groupes actuellement qui sont dans le monde musulman et ils n'appellent pas les gens nécessairement à l'islam, mais surtout ils appellent à suivre leur organisation. Donc ils ont un chef et ils ont cette organisation-là qu'ils suivent, et le chef a dessiné pour eux une méthode à suivre pour faire le da'wah et pour appliquer l'islam ou ramener les gens à l'islam. Et donc c'est comme une sorte d'idéologie qu'ils suivent et non pas le Coran et la Sunna.
Donc le cheikh il dit que ceux qui appellent les gens à suivre des jama'at et des groupes, comme que ce soit le groupe des Ikhwan al-Muslimin, fondé par Hassan al-Banna, ou le groupe de Jama'at al-Tablir, fondé par Mohamed Elias al-Kandahlawi, ou bien que ce soit d'autres jama'at qui sont fondés par d'autres personnes, et bien tous ces groupes-là, ils n'auront pas de succès dans leur da'wah, parce qu'ils ne se limitent pas au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih. C'est ça le problème dans leur da'wah. Et donc le cheikh il dit que ceux qui appellent les gens parmi les musulmans à suivre le Coran et à suivre la Sunna et à suivre la compréhension des salaf de cette umma parmi les sahaba et les tabi'in et les khulafa rachidin et ceux qui les ont suivis et qui est sincère dans ça, eh bien, inshallah, sa da'wa aura des fruits et des bonnes conséquences. Même si ceux qui les suivent sont peu nombreux. Parce que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Hein. Beaucoup de gens, ils s'intéressent uniquement à voir le nombre. Hein. C'est ça le problème de beaucoup de ces groupes de jama'at islamiques. Ils se concentrent plus sur la quantité. Oui, le regroupement. C'est-à-dire qu'on a un plus grand nombre de personnes. Et ils pensent que le fait qu'on est plus nombreux, c'est ça qui fait qu'on a plus la vérité. Alors que ça n'a rien à voir. L'important, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Le bon et le mauvais ne sont pas égaux. Même si tu te laisses, ébloui par la quantité du mauvais, hein. Voilà, أعجبك كثرة الخبيث. Et si tu obéis la plupart des gens sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Si on est une grande quantité de gens, et qu'on est tous sur le haq, et avec le bon manhaj, et avec l'ikhlas, le sidq, avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, c'est tant mieux. Mais si on est très peu, mais on a l'ikhlas, c'est mieux que d'être beaucoup et de ne pas avoir de sincérité. Donc, c'est pas uniquement la quantité qu'il faut regarder, mais la qualité. D'accord? Et nous, alhamdulillah, quand on a compris ça, on a compris une grande chose. Parce que le but de notre da'wah, c'est de plaire à Allah, avant toute chose. C'est d'amener les gens à atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on va, transmettre la parole d'Allah et le message d'Allah et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tel quel, pour que les gens qui sont sincères et qui veulent vraiment le suivre, le connaissent et l'acceptent et le suivent. Mais si on commence à faire des compromis et à changer le message pour plaire aux gens et pour qu'ils viennent nombreux dans notre groupe ou dans notre association, est-ce qu'ils acceptent la parole d'Allah ou est-ce qu'ils nous acceptent nous? C'est ça le problème. Et nous, on appelle les gens à être sincères envers Allah et à suivre la vérité pour Allah et non pas pour nous. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc, quand on voit donc la méthode de da'wah, comment le cheikh Mohammed Wahab, Allah lui a donné le succès dans cette da'wah, eh bien on voit que la méthode qu'il a suivie, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah. Et donc, le cheikh il dit, حَقًّا إِنَّ الَّذِينَ حَقًّا إِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُ تُثْمِرْ وَيَكُونُ لَهَا أَطْيَبُ الْأَثَرِ سَوَاءَ كَانَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ أَوْ فِي مَغَارِبِهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فإن الكثير من التجار في هذه البلاد يساهمون بالأموال ويدفعون الرواتب للدعاة على حسابهم بالإضافة إلى ما تبذله الدولة حفظها الله من الدعاة المنطلقة من الوزارة بل من الجهات التي تعني بنشر الدعوة على اختلاف مراتبهم أو مراتبها وكذلك من الدعاة الآخرين الذين ينطلقون على حساب الدولة إلى الشرق والغرب
ويعلمون الناس محاسن الإسلام وعقيدة الإسلام كل ذلك من الآثار الطيبة المباركة التي نتجت عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن معه من الحكام. Donc le cheikh il explique ici et il donne l'importance du rôle des du'as, des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, et du rôle des responsables des musulmans dans la propagation de l'islam dans le monde musulman et dans les mondes même qui ne sont pas musulmans. Il dit vraiment que le manhaj, ce manhaj qu'on suit, cette voie qu'on suit, et cette da'wa, elle a des effets vraiment bénéfiques et elle produit des bons fruits. Et elle a le meilleur effet, peu importe où on est, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, dans le monde, c'est pas grave. Alhamdulillah, on voit qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et il donne des exemples même que parfois certains des grands commerçants qui sont très riches, ils donnent de l'argent à certaines personnes parmi les douanes pour partir dans différentes régions dans le monde pour disons, aller faire le da'wah pour appeler les gens à l'islam et pour enseigner aux gens la religion de l'islam. Et en plus de ce que l'État, le pays musulman, l'Arabie Saoudite donne à certaines personnes pour partir dans différentes régions pour prêcher l'islam et enseigner l'islam aux gens. Parce qu'ils ont des ministères qui sont spécialement pour ça. Hein. Et ça se trouve pas dans beaucoup de pays, dans les pays musulmans. Je pense que c'est peut-être même le seul pays musulman où il y a des gens qui sont payés par le gouvernement pour aller dans d'autres endroits pour prêcher et enseigner l'islam. Donc ça c'est une grande chose, mashallah, et ça fait partie des principes de l'islam. Bien entendu, ça ne fait pas plaisir aux kuffars et aux tzadirahs, mais alhamdoulilah, ça met la joie dans le cœur des mu'minines. Et donc, alhamdoulilah, le cheikh il dit que ça a un grand effet, et tout ça c'est des résultats, disons, de la da'wah du cheikh Mohammed bin Wahhab, et avec lui, ceux qui sont les dirigeants de ce pays. Après, il dit, واستمرت من الدور الأول إلى الثاني والثاني والدور إلى الدور الثاني والدور الثالث الذي تعيش فيه هذه الأمة الإسلامية في بلادنا التي أكرمها الله بحكام صالحين وعلماء ربانيين وفقهم الله جميعا. Donc il dit que ça a continué à travers les différents états, parce qu'il y a eu des étapes dans la construction de l'Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu la première, puis la deuxième, puis la troisième. Il y a eu des choses comme ça. Donc il explique que tout ça c'est yani des bonnes choses et que yani Allah subhanahu wa ta'ala, disons, a donné de sa miséricorde et sa baraka pour les dirigeants et pour les ulama de là-bas. Et il demande à Allah de leur donner le succès à tous dans cette chose-là. Et alhamdoulilah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de notre côté de leur augmenter, wa alaykum salam wa rahmatullah, de les augmenter en bien, de les augmenter en effort, et de les protéger contre les ennemis de l'islam et contre les mubtadi'ah, et de mettre cette baraka dans tous les pays musulmans sur la terre pour que cette da'wah, disons, s'épanouisse partout là où il y a des musulmans et même ici, inshallah, si c'est possible. Le cheikh dit « والمقصود مما فطرته أن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون مبنية على ركائز ومن أشهرها البدء بتصحيح عقيدة التوحيد. Ça c'est premièrement. Cheikh dit, le but de tout ça, ce que j'ai expliqué maintenant, c'est que le fait qu'on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit établi sur certains points centraux et principaux, yani, et parmi les plus importants et les plus connus, le premier, c'est de commencer par corriger la aqidah des gens. Tasih al-aqidah, aqidah al-tawhid. De corriger la aqidah du tawhid chez les gens. Ça, c'est le plus important.
toute da'wah qui veut avoir un succès, qui veut être bénéfique et qui veut avoir un impact, si il ne commence pas par ça, il va échouer, c'est certain. Parce que c'est ça le plus important, c'est la base. Et malheureusement, beaucoup de jama'at et beaucoup de groupes hein, islamiques dans le monde actuellement, ils prennent ça comme une chose secondaire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de succès dans leur da'wah. Parce qu'ils prennent comme l'aqidah comme étant une chose secondaire, c'est pas ça qui est important pour eux. Et parfois, oui, c'est vrai, comme le frère dit, ils considèrent que l'aqidah c'est quelque chose qui va créer de la division chez les musulmans. Hein? Imaginez. Donc si l'aqidah nous divise, qu'est-ce qui va nous unir? Des, hein? La bid'ah, ou bien quoi? Les choses de la dunya. Si c'est des choses qui la dunya qui va nous unir, eh bien ça peut nous unir avec tout le monde. Hein? Si c'est les intérêts et la dunya qui nous unit, ben, ça peut nous unir avec, même avec les koufars. Hein? C'est ça? Ben, c'est ça. Ils mélangent, ils s'unissent avec tout le monde. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est des choses de la dunya. Ils croient que c'est sur la dunya qu'on va s'unir. Et quand ils présentent, même quand ils présentent l'islam aux non-musulmans, aux koufars, ils leur présentent l'islam comme étant une, disons, un système comme un autre. Hein? Ils leur présentent l'islam comme un système économique, comme un système politique, comme une idéologie, exactement. Et non pas comme si c'était la da'wa des messagers et la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si tu leur présentes comme ça, ça veut dire tu leur présentes une, si tu leur présentes une idéologie parmi d'autres, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, ça ne change pas grand chose. Et de la façon qu'il la prêche, tu peux l'accepter sans même y croire. Parce que c'est juste un système. Hein? Ça veut dire tu peux accepter le système économique de l'islam et le système politique de l'islam sans croire au fondement de l'islam. Exactement. Donc c'est complètement absurde. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se concentrer, c'est le tawhid. Deuxièmement, un yakuna daria, par exemple, juste pour donner un exemple, ça me revient à l'esprit, ils vont prêcher aux non-musulmans, ils vont leur parler du hijab et leur parler des bienfaits du hijab. Donc ils sont capables de convaincre une femme non-musulmane du bienfait du hijab. Mais si elle porte le hijab sans croire en l'islam, est-ce que ça va lui amener quelque chose? Non. Ils vont lui dire, regardez dans les magazines, on montre des femmes pour vendre des produits. Hein? Et nous, on porte le hijab, c'est pour dénoncer ça. C'est-à-dire, ils interprètent toute chose d'une façon matérialiste, pour, disons, donner des arguments de ce qu'ils font, des adorations de l'islam. Et donc, si quelqu'un accepte de faire des actions islamiques, ou des choses de l'islam, pour ces raisons-là, c'est pas suffisant pour que ce soit accepté d'Allah. Il faut le faire parce qu'on y croit premièrement, parce qu'on croit en Allah, parce qu'on croit au messager. Hein? Exactement. Comme les gens qui disent, si tu jeûnes, tu vas avoir une bonne, c'est bon pour la santé de jeûner. Et donc, imaginez quelqu'un qui est kafir, qui n'est pas musulman, et là il dit, bon, c'est bien ça, moi je vais jeûner. Hein? Par compassion, Yanni. Oui, il y en a des gens qui font ça. Hein? Donc c'est comme si, j'ai entendu, mais j'ai parlé de ça plusieurs fois avec des frères, il y a un gars qui a fait une khutbah à Montréal, et puis toute sa khutbah c'était là-dessus. Comment expliquer aux non-musulmans l'islam sans leur parler de religion? Hein? C'était ça, ouais. Comment leur prêcher l'islam sans leur parler de religion? Et si tu parles par exemple de la prière, tu leur dis que c'est un exercice, que tu n'as pas besoin d'aller au gym si tu es musulman parce que tu fais de l'exercice à chaque fois que tu pries. Hein? Et quand tu leur parles du jeûne, tu leur dis, ben écoutez, c'est bon pour le système. Et même il a dit à un certain point dans sa khutbah, il disait que si tu fais la prière, ça fait travailler les sept nerfs. Et il dit qu'il a lu dans un livre de yoga écrit par une Canadienne, que si tu fais la prière, tu fais travailler les sept nerfs dans du yoga ou je sais pas quoi, puis que c'est donc même selon ouais c'est très bénéfique. Après il mélangeait tout, donc c'est pour dire que tu peux accepter les principes de l'islam sans même y croire. Et puis est-ce
Ouais, il a dit que si, il a dit que si un Canadien croit en la charte des droits canadienne, il est à moitié musulman, parce que c'est, soi-disant, c'est les principes de l'islam. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, est-ce que ça veut dire que de croire en l'homosexualité, ça veut dire que tu deviens à moitié musulman, parce que c'est, cette charte, elle rend légale l'homosexualité, hein? Donc ça, c'est des exemples. En tout cas, ça c'est en dehors, c'est juste pour vous dire que il faut commencer par corriger la aqida des musulmans. Corriger cette aqida. Parce que si cette aqida n'est pas claire, yani ça ne passe pas. Exactement. Ensuite, le cheikh dit « وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِيَ صَاحِبُ حِكْمَةٍ وَبَصِيرَةٍ صَاحِبُ نُصْحٍ وَصَبْرٍ وَحِلْمٍ وَإِخْلَاصٍ ولا يكون كذلك إلا إذا سلك مسلك السلف الصالح ونهج نهجهم فإنه يكون قد دعا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. الشيخ الذكر il faut que la personne qui fasse la da'wa soit quelqu'un qui possède de la sagesse et qui possède de la clairvoyance, ou bien disons une bonne vision, il faut qu'il ait une bonne intention de donner le bon conseil aux gens, il veut les appeler pour leur bien, il leur veut du bien, et il est endurant et patient, et il a de la sincérité et également de la douceur envers les gens, il a de la compassion, il a des compassions pour les gens. Et il ne peut pas être ainsi, de cette façon-là, excepté s'il a suivi la voie du prophète, hein, et la voie des salaf salih, des prédécesseurs pieux, et qu'il a suivi leur exemple, comme les sahaba, les tabi'in, les khulafa al-rashidin, ceux qui les ont suivis. Hein. C'est comme le prophète a dit, « Innama al-ilmu bit-ta'allum, innama al-hilmu bit-tahallum. » Ça se développe. Hein? Et il y a des caractéristiques qui sont innées, que Allah a donné certains khuluq à certaines personnes et c'est inné en eux, et il y en a d'autres khuluq qu'il faut les développer et il faut s'entraîner pour les posséder. Hein? Ouais, faire des efforts sur soi-même, comme par exemple si on ressent que par exemple on est un peu avare, on essaie de se forcer à être généreux, hein, en donnant de notre bien quand on sent que notre main est serrée, hein, et on essaie de la dénouer. Ça c'est un exemple. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de toute façon, puis on continuera la semaine prochaine, bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.